Schneider Electric is a global leader in energy management, in automation. We are a 26 billion euro company. We sell in more than 100 countries. We provide to our customer full solutions, full services for electrical distribution, for automation, for control, for critical power. This year, 2016, we will put on the market about 400 new offers, means once a day. This is why you adopt technologies that help us at reducing time to market. Today we use 3D printing technologies from Stratasys for développement, industrialisation and prototypes. En reconsidérant notre manière de travailler, Schneider Electric, en partenariat avec des sociétés comme Stratasys, nous devrions être capables de mettre à disposition de nos clients des produits beaucoup plus complexes, beaucoup plus performants, et avec un objectif, c'est d'être les premiers sur le marché. We decided to make injection molds with a 3D printer, and for that we use a connex machine. It's important to print the mold for two main reasons. First is the cost. Here the cost of the cavity is some 100 euros, and for an aluminium tool it's some 1,000 euros. So it's a problem of cost and the time also. Here we can achieve the complete process within 1 week. As for an aluminium tool, testing aluminium tool, it can be 1 month or 2 months. Donc au sein de Schneider Electric, je suis responsable du bureau d'études mécaniques où nous réalisons des machines d'assemblage, de contrôle et de réglage pour les produits Schneider Electric. Donc en conception de machines spéciales d'assemblage, nous utilisons de plus en plus souvent l'impression 3D pour valider nos études de conception innovantes et pour pouvoir gagner du délai de réalisation de machines finales abouties. Le bénéfice de l'impression 3D avec Stratasys, c'est de maintenant obtenir des pièces réalisées en 1 semaine, alors qu'avant on les obtenait en 3 semaines en usinage conventionnel, ce qui nous donne un gain de 70% du temps. La pièce d'assemblage que nous allons voir est un prototype de posage pour des produits. Ce posage nous permet de valider que l'ergonomie de ce posage convient et que le principe retenu est aussi fonctionnel. Nous voyons que nous allons pouvoir réaliser des pièces définitives sur nos machines grâce à la précision qui est obtenue et la solidité des pièces. We have the ambition of the factory of the future. We see Stratasys as a key role in our objective. And we started a few years ago anyway on prototyping for the new offers, the needs. The second objective is to look for the development of the tooling and for the small quantity that we have to do, mainly for the new product. And anyway, the third objective that has not started yet anyway, but the ambition is to produce some parts like a spare part or for some low runner in Schneider.